Pourquoi on a eu cette initiative? C'est parce qu'on voit actuellement ce que les jeunes de la nouvelle génération, ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ce n'est pas de l'art. Parce que, par exemple, c'est de montrer aux jeunes entre cinéma et théâtre. Parce que tout c'est de l'art, mais il y a une grande différence. Vous voyez? On a vu que les sketchs, parce que j'ai participé à plusieurs festivals ici, le festival du 10 octobre organisé par Longue Vie et le festival de l'Attaque le 27 octobre. Donc j'ai été membre du jury, j'ai vu ce que les jeunes font, ils confondent les sketchs au théâtre. Maintenant, on s'est dit quoi? Il faut qu'on le savoir qu'on a, il faut qu'on le partage avec les jeunes comédiens qui font du métier de comédien, parce qu'ils ne sont pas comédiens. Parce que quand tu parles de comédien, c'est avec celui qui affine avec la scène. Là, il a le titre de comédien. Mais on s'est dit comédien. Puis c'est quand tu dis comédien, et incarner le rôle de comédien fondeur. Comédien, c'est un titre. C'est juste faire la différence entre ces deux métiers, le théâtre et le cinéma. C'est juste, on a eu l'initiative de faire ça. Non, c'est pas une... Là, on a fait des appels. On a publié, on a posté sur des réseaux sociaux, nos comptes Facebook, nos pages Facebook, avec l'aide de nos amis, de nos icônes, Longue Vie, Thierry Mamadou Sondou. On a publié, et ceux qui ont de la passion ont répondu à l'appel. Parce qu'en faisant quelque chose, essayez de connaître la chose d'abord avant de le faire. Il ne faut pas le faire juste parce que mon ami le fait, je vais le faire. Essayez de connaître la chose avant de te mettre dedans. Et ceux qui ont répondu à l'appel, on a compris ceci, on l'a passion de la chose. Pour un début, on a jugé de prendre 3 mois. C'est-à-dire novembre, décembre, janvier. On parle de cette initiative de formation. C'est en qualité d'aide de formateur que je vais vous parler. On parle ici de jeux d'acteurs en cinéma et en théâtre, également en mime. Il était question de concours de théâtre un peu sur le cinéma, sur l'humour. Et en même temps, les faire comprendre ce que c'est que les 9 carreaux du ciel. Les faire comprendre c'est quoi le théâtre, c'est quoi le cinéma, c'est quoi l'humour. Et l'importance de ces 3 thèmes qui ont été abordés lors de cette formation-là déjà. Également, les faire la différence de ce qui constitue le cinéma, de ce qui constitue le film, c'est-à-dire... Et quand je dis le cinéma, on parle de film, ce qui constitue le théâtre, c'est-à-dire les constituants de théâtre, qui sont différents des constituants du cinéma. Au-delà, on en parlait de l'humour. On est parti d'apprendre ce que c'est que l'humour, quelle est l'importance de l'humour, et c'est quoi un humoriste, et quel est le rôle d'un humoriste. Et quelle est la maîtrise de scène qu'un acteur en général peut vraiment se procurer pour pouvoir faire égayer son public? Quelles sont les armes qu'un acteur ou un artiste ou un humoriste en question peut se procurer pour pouvoir aller à la sache vers son public, pour aller faire rire, pour aller donner de l'humour? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui sur le territoire guinéen, plusieurs cinéastes sur le territoire guinéen, plusieurs humoristes aujourd'hui sur le territoire guinéen, mais beaucoup d'entre eux aujourd'hui se réveillent juste avec son petit smartphone pour aller faire rire, mais pas dans le sens normal. Et d'autres le font déjà dans le cadre du cinéma, qui font sans respecter ce que c'est que le scénario, sans respecter aujourd'hui ce que c'est que le scénariste, parce que ça, quand le scénariste fait quelque chose, son scénario doit être respecté. En respectant son scénario, on doit ce qu'on lui a respecté. Sans respecter aujourd'hui le mode vestimentaire, sans respecter également les identifiants. La formation est bien, c'est super bien. Donc à travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, pas mal de choses. Et aujourd'hui, ce qui est normal, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. Donc avant, j'étais dans le domaine du cinéma, mais je ne savais pas ce quoi il s'agit du cinéma. Mais aujourd'hui, à travers cette formation, j'apprends petit à petit pas mal de choses. J'ai un message à lancer, surtout la nouvelle génération. J'appelle tout le monde, j'appelle tous les acteurs guinéens, les malins qui y compris les sous-sous, les peu, les forestiers, pour venir assister ou s'inscrire au niveau de ce centre Cinévision pour apprendre ce qu'est le cinéma et ce qu'est le théâtre. Parce qu'à travers ce centre de formation, non seulement on va apprendre beaucoup de choses sur le domaine théâtral et cinéma, donc j'invite tout le monde, je fais appel à tous les acteurs de la Guinée de venir s'inscrire au niveau de ce centre de formation. Lui est allemand.
ko tay ko mi wawi assiste golle makko mi yi nafa buy emo parce que avant harib no nati affaire cinéma mais je ne savais pas qu'on woni cinéma et tay tu yal tay caméra mais harmi anda importance mo mais nan depuis mi ari formation do mi andi important et puis djibou important parce que avant mi anda différence entre le cinéma et le théâtre. Mais Dieu merci, depuis mes assistants, il y a une différence. Il y a une acteur et une actrice. Il y a une autre chose qui est en train de se faire. Il y a une autre chose qui est en train de se faire. Parce que le cinéma est une formation. Mais si on a une formation, sans y avoir de nouveau, ta formation est à la main. Pour du courage à Hirsine, la Guinée. Menace à Yéjouana représente nous, parce que collègue ne faut pas représenter là. La forme cinéma avance à Yara Yeso. Pourtant, tout Yargo Yeso Yeso, et n'est qu'à doyer comme Yapi Yedji. Arrête comme Marie, comme Belton, Arbe formation, Hande, et courage à Rouba formation. Hande Saï comédien, et voilà Pidji. Sans formation, il n'est pas comédien. En de Kalam, nous avons festival ou bien prestation. Prestation, c'est très bien fait. C'est grâce aux formations. Quand on a de l'envie, si mes comédiens n'ont pas de formation, si mes n'ont pas de formation, arrête l'envie parce que arrête Hande. Hande quoi de ça fait développer goal. Ça fait culture mon milieu quoi. Parce que développement, surtout bien on va dans des formations, la veille t'as des parce que hande, et va dire que nous sommes concadrants, mais du gol, il me bien quoi. Quand on boit ni andoutof, quand falla, quand y a au pédita, gandal, nyando nyande, parce que gandal, l'annota ko nyando nyande a pédoto. Donc hande haribe andi seeda be absetti malgré be hebi asdi kono be absetti argol ekuta pour do be on fiyo be urtu yar ko yes donc on inata be fiyo be api donc fiyondu non be apirta don lagini ko dum do manki kala mo yida be nama acteur si o hebi iPhone to sokoni woni acteur jo fet donc o ala importance fous jangugo. Donc si be hebi be yi video hum ko porto jo di ma dum go hara ko mar kon vibe ko pa kun don ma be fuddito kun don ide fous be ala hande hande sa yetti superstar be be fop ka kiltir a kontay 1-2 ha sang si heba di do marbe formation yer ko fandi kon ko fiyon c'est parce que kambe ko mudi be hawne pour tant que le golle do si a waday de ko ma fiya won jango cadre jo si a fiya won exemplaire jo jango forcement que il faut que ekito da fino wa ekitir de go sina dum six ma o nyande lan ni o haray adani ke fes ala reveni hay fous donc c'est ça.